C'est l'autorité de régulation des postes de télécommunications ARTEPC qui a formellement notifié les opérateurs Internet. Elle leur demande de filtrer ou de couper tous les réseaux sociaux dans le pays à partir du dimanche 18 décembre. Il s'agit en fait d'un blocage partiel de tous les échanges d'images, de vidéos et de la voix via réseau. Au cas où le blocage partiel ne sera pas possible, l'ARTEPC enjoint les opérateurs Internet de bloquer tout accès intégral aux réseaux sociaux. Et on cite une liste non exhaustive de ces réseaux sociaux, parmi lesquels les plus célèbres: Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Google+. La non-application de ces restrictions demandées expose les opérateurs du secteur à une révocation de la licence. Les réseaux sociaux sont le mode d'accès à Internet le plus répandu en RDC en raison de leur facilité d'emploi à partir d'un téléphone et de leur coût relativement bas. Les réseaux sociaux sont aussi fortement utilisés dans les appels à manifester contre le pouvoir en place. Leur blocage survient au moment de la fin théorique du mandat du président Joseph Kabila. Des appels au rassemblement ont d'ores et déjà été lancés à cette occasion.